Depuis ce lundi 8 janvier 2024, le président Moïse Katumbi est interdit de sortir de sa résidence de Kachobwe. Des militaires lourdement armés et circulant à bord de véhicules blindés encerclent sa maison. Cette situation, qui équivaut à une résidence surveillée de fait, s'inscrit dans une démarche, une escalade dictatoriale du pouvoir qui cherche à écraser toute forme d'opposition démocratique, pacifique et non violente. Moïse Katumbi est un citoyen libre dans son pays dans lequel il a le droit de s'exprimer et de circuler tout à fait librement. L'encerclement de sa résidence ne relève d'aucun fondement, aucune base juridique. Le pouvoir cherche tout simplement à intimider un leader politique dont le seul crime est de demander l'annulation des élections les plus frauduleuses jamais organisées dans notre pays. À ce titre, les mesures adoptées le 5 janvier dernier par la CENI d'invalider 82 candidats de la majorité présidentielle ne sont qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Cet aveu de la CENI, de M. Kadima, ne cache pas les plus graves et les plus nombreuses irrégularités jamais enregistrées dans l'organisation des élections. L'entêtement du pouvoir à presser la Cour constitutionnelle à proclamer des résultats frauduleux ne résoudra jamais le lancinant problème de légitimité derrière laquelle court le régime. Qu'il soit entendu qu'en déployant des militaires armés, en faisant le pari de la dictature, du mensonge, de la fraude, de l'intimidation, M. Félix Tshisekedi sera tenu pour responsable de toute atteinte à l'intégrité physique de Moïse Katumbi. On n'encercle pas la vérité par des armes, par la fraude, par le mensonge. Bande de voleurs. Bien aimé, les gens meurent dans les hôpitaux à cause de ces voleurs. Dans l'hôpital, au pont d'Antina, dans le milieu. Alléluia. Amen, amen. Les fonctionnaires sont impayés à cause des voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pèlerins et passagers sur cette terre. La seule personne que nous devons craindre, c'est l'Éternel des armées. Seigneur, vous avez mis été.